Reka rero twihuse cyane tudatinze turebere hamwe izi breaking news ni itangazo risohowe n'ubutegetsi bw'Kinshasa muri uyu mugoroba. Ni itangazo ryemeza ko ku buryo budasubirwaho General Chirimwami uyu rero arazwi cyane kuko niwe wateguye inama zitandukanye zanafatiwemo imyanzuro y'uko inyeshyamba za FDLR zigomba gukoranira bya hafi n'igisirikare cya FARDC bagahabwa amafaranga, imbunda ndetse n'ibindi byose bari bakeneye mu gufasha FARDC guhangana n'umutwe wa M23 mu nyungu z'uko mu gihe cyose bazatsinda inyeshyamba za M23 nabo ngo bazafashwa kugaba ibitero ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ngo kugeza bageze n'i Kigali nk'uko ubutasi bwo mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda bwabyemeje muri raporo ikomeye cyane basohoye mu ntangiriro z'uyu mwaka. Niyo makuru tugiye kuba turebera hamwe gatanu kuri gatanu. Ni amakuru yemeza ko uyu Chirimwami ku buryo budasubirwaho amaze koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahasimbuye wahoze ari guverineri w'iyi ntara. Kuri ubu ngubu wahamagajwe n'urwego rw'ubutasi bwa gisirikare i Kinshasa ngo ajye gusobanura ibijyanye n'ubwicanyi buherutse gukorerwa abaturage bahariya mu mujyi wa Goma ubwo bateguraga imyigaragambyo karahabutaka yo kwamagana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'ingabo za Rundi. Gatanu kuri gatanu rero tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'itangazo ryashyizwe hanze n'abategetsi b'i Kinshasa ryemeza ko uyu Chirimwami yamaze kugirwa guverineri mushya w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ariko kandi n'andi makuru arebana n'iyi nkuru yari yakomeje kugenda agarukwaho kuva mu masaha yashize tugiye gukomeza tuyagarukaho gatanu kuri gatanu muri iyi nkuru yacu. Nkaba rero nongeye kuguha ikaze muri aya makuru tugiye kuba tubanamo gatanu kuri gatanu. Dusana bagana ku musozo turaza no gukurikira Minisitiri w'Umutekano asobanura ibijyanye no kuba Chirimwami agiye kuba guverineri mushya w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ngo n'inyungu nyinshi abaturage bagomba kuzabonera muri izi mpinduka nshya zakozwe na Tshisekedi. Ni General Major Peter Chirimwami aravugwaho gufasha imitwe yitwaje intwaro ihuriye mu kizwi nka Wazalendo. Sibyo gusa uyu usibye kuba ibi ariko bivugwaho muri iyi minsi yanavuzwe cyane mu bufasha bukomeye cyane yahaye inyeshyamba za FDLR mu nama zitandukanye yagiye ategura. Kuri ubu rero yamaze kugirwa guverineri mushya w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko itangazo ryagiye hanze mu kanya ribyemeza. Ni itangazo ubona imbere yawe. Chirimwami yahawe iyi nshingano n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Christian Chiwewe abitegetswe ariko nanone na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nk'uko amakuru agaragara muri iryo tangazo akomeza abyemeza. Nkibutsa ko uyu musirikare asimbuye kuri iyi nshingano Lieutenant General Constant Ndima Kongaba uyu yari asanzwe ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu rero akaba aherutse guhamagazwa n'urwego rw'iperereza i Kinshasa kugira ngo abazwe iby'ubwicanyi abasirikare bakoreye abasivile bigoma tariki ya 30 Kanama 2023. Biravugwa ko rero Lieutenant General Ndima atazagaruka muri Kivu y'Amajyaruguru ngo akomeze inshingano zo kwa guverineri w'intara ku rwego rwa gisirikare nk'uko byari bisanzwe mbere yitabwa muri yombi rya Lieutenant General Yavo Firemo warushinzwe ibikorwa bya gisirikare. General Major Chirimwami we rero yakuwe muri Kivu y'Amajyaruguru ajyanwa mu ntara ya Ituri ashingwa ibikorwa bya gisirikare muri Nyakanga umwaka ushize 2022. Icyo gihe yasimbuwe na Lieutenant General Yavu. Umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa Nyatura CMC Habyarimana Jean Claude uzwi cyane ku mazina ya Jire Murumba we aherutse gutangaza ko General Chirimwami yafashaga imitwe ya Wazalendo ayita igisirikare. Ni mu gihe ngo yari ihanganye n'umutwe witwaje intwaro wa M23 gusa ngo ubwo Yavu yamusimburaga byacitse intege. Uyu muyobozi wa CMC Nyatura Habyarimana Jean Claude yakomeje yavuga ko kuri ubu ngubu inyeshyamba za FDLR zigiye kongera noneho kugira imbaraga n'ijambo rikomeye cyane muri FARDC
kubera ko gocira imwami numwe mu bayobozi ba gisirikare ba FARDC wagaragaje ingufu nyinshi mu gufasha uyu mutwe wa FDL. Murumba yagize ati komanda mu gisirikare cya FARDC yarahinduwe, generali witwa Chirimwami baramwimura, niwe rero wari ufite ububasha, yari afite ubushobozi bwo gufata neza igisirikare FARDC igakora neza. Bamaze kumwimura bashyizeho uwitwa Yavu. Yavu rero aratwirukana, bashatse ko banaturasa ariko natwe ubwacu twagerageje icyo gihe kwirwanaho tubasubiza inyuma. Yakomeje agira ati turi gutangira rero uru rugamba, haraho M23 yagerageje gushinga ibirindiro hafi yacu, turarwana inkundura hafi amezi agera kuri atatu. Turi kubwira leta ngo nyamara twashiriwe, tubuze kino ntabwo byigeze bikorwa kugeza ubwo Kicanga nayo ubwayo yafashwe. Ariko kuri ubu ngubu turishimye cyane kuba twongeye kumva ko Chirimwami agarutse. Kuri ubu twiteguye ubufasha bwose bushoboka, kandi n'inyeshyamba z'abanyarwanda za FDL kuri ubu ngubu noneho zigiye kongera kudufasha mu gutegura ibitero karabutaka ku nyeshyamba za M23. Ni mu gihe Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ivugaho kutita kuri Wazalendo ngo bari kuyifasha kurwanya umwanzi ariwe M23. General Major Chirimwami ashobora gukoresha umuvuno we n'ubundi nk'uko mbere byari bisanzwe, maze akongera gufata neza iyi mitwe yitwaje intwaro nk'uko binakubiye mu byifuzo by'iyi mitwe yitwaje intwaro. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere nibwo itangazo riturutse ikinchasa, ni itangazo ryemeza ko uyu Chirimwami ku buryo budasubirwaho amaze gusimbura uwahoze ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko n'ubundi binagaragara muri iri tangazo. Gatanu kuri gatanu rero reka dukomeze dukurikira. Peter Kazadi arasobanura ibijyanye n'izi mpinduka zakozwe na Tshisekedi ni nyuma rero ngo y'imyanzuro yafatiwe mu nama idasanzwe y'abaministri yaho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akaba na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje Majoro General Chirimwami Nkuba Peter nka guverineri wa gisirikare w'intara ya Kivu ya Majyaruguru. Lors de notre dernier passage ici à Goma avec toute la commission interministérielle diligentée par le président de la République, nous sommes venus aujourd'hui pour conduire toutes les victimes dans leur dernière demeure. Je viens d'échanger avec les familles des victimes qui se sont présentées. Ici, je voudrais souligner il y a des victimes dont les familles ne se sont pas présentées, mais que le gouvernement va entièrement prendre en charge, enterrer dignement. Nous avons échangé, nous sommes tombés d'accord sur les principes d'enterrement, et de l'autre côté, les procès vont continuer à se poursuivre. Voilà. Monsieur le ministre, c'est quoi le bilan actuellement? C'est quoi le nombre de personnes qui vont être enterrées? Juste là, on a enregistré 57 morts. Sur les 57 morts, il y a une quarantaine qui s'est manifestée et d'autres dont des familles se sont manifestées et d'autres familles ne se sont pas manifestées pour réclamer des corps. Quel accompagnement le gouvernement a donné à ces familles victimes? Le gouvernement a donné des cercueils, des lieux où ils vont être enterrés, disons tous les frais funéraires. Également une enveloppe pour consoler les familles, pour leur permettre de faire les deuils de manière plus ou moins acceptable. Monsieur le ministre, pourquoi les procès traînent jusqu'à ce niveau? Les procès se déroulent. On ne peut pas dire que les procès traînent, les procès se déroulent. Vous êtes journaliste et je pense que vous avez le temps d'aller couvrir les procès. Et c'est sur décision de la haute cour, de la cour militaire que aujourd'hui,
nous sommes là pour enterrer. C'est la Cour qui a rendu la décision ordonnant l'enterrement de toutes les victimes. Par rapport à la situation d'aujourd'hui, des victimes, vous exigez qu'il y ait la libération de personnes arrêtées. C'est quoi la réponse? C'est la justice qui va décider. Et nous sommes en période de guerre. Comment va se dérouler l'enterrement? Est-ce que vous allez accepter que toutes les familles, des 54 personnes qui ont perdu la vie? Nous avons convenu avec les familles de déléguer quelques membres par famille. On ne va pas amener tout le monde au cimetière. Monsieur l'Excellence, Monsieur le Ministre, si vous pouvez nous lancer un message particulier à l'endroit de la population du Nord Kivu par rapport à cette situation. C'est comme la dernière fois, nous avons appelé la population à se calmer. Nous sommes en train de faire face à une situation que tout le monde a condamnée. Et en même temps, je voudrais attirer l'attention de la population sur le fait que l'ennemi rwandais est juste en face de nous. Il occupe certains de nos territoires. Il est en train de manipuler certains d'entre nous pour donner une autre connotation à ces drames, je répète, que nous avons eu tous à condamner. Nous devons donc nous montrer vigilants, mettre en exergue notre appartenance à la République démocratique du Congo en tant que peuple, sauvegarder ce qui est essentiel, et c'est ce qui est essentiel ici, c'est notre territoire. Donc j'en appelle à la paix, au calme. Le gouvernement de la République